Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Ces Mémoires 2, la guerre de sécession 1861, troisième épisode, un jeu de simulation historique, Wargames, très bon jeu. On va donc charger la partie, août 1861, l'Union, et on lance la partie, il va rester 106 tours. Alors là, ça a pas mal bougé. Y a pas mal de renforts que j'essaie de faire partir. Ici, on a des unités que je vais faire descendre donc, aussi. Ici. Il y a des, pas de transport, transport 1. Déjà regarder. Non, on peut pas. Ces bateaux, bon, on peut les faire circuler. Hein. On peut les faire circuler comme ça. Ici, des unités. Alors enfin, c'est possible, 6 jours, j'ai demandé quelques renforts, on va regarder les messages, alors ici. Le camp Dick Robinson, brigade de volontaires et artillerie à Louisville. 20 compagnies de conscrits, 5 tonnes de fournitures, ajoutées au tableau des renforts. Bien, super. Le camp Dick Robinson, dans l'état neutre du Kentucky. Ah, ici, alors ici, le navire entre en service. Là aussi. Si on a du navire, pour la sécurité. Parce que c'est le box marchand, donc c'est pour la sécurité des bateaux, parce qu'on a pas mal de renforts en nourriture, en armement qui vient par là. Alors, ici 289, j'ai tellement bougé de choses que je sais plus trop où. Ouais, tout ça, ça a été bougé, là aussi. Ici on est attaqué, ici on a des civils qui sont là, ils sont déjà, Gettysburg est assiégé, mais la structure est intacte, donc il va falloir
Allez les aider, surtout. Et là, on va voir si on peut mettre quelques renforts. C'est ce qu'il me reste, 224. Alors, ici, oui, on peut en mettre. Si je peux apporter d'autres des canons, encore des canons, moi je peux plus, on est complet, donc ce sera bon pour ce tour. Je peux pas, il y a peut-être d'autres troupes que je peux bouger. Ici, on va voir en se mettant. Changer. Bon. D'accord. Bon. Pas trop chercher à comprendre. Ici, il y a des ennemis. Ici, la Charleston. De toute façon, je fais descendre des unités ici. Il y a d'autres en renfort. Ici, des unités ont été bougées pour rejoindre le fort. Tourne, puisqu'on a le fort, on a Mézilla, qu'il va falloir, on va investir par Cumming, par Tourne, qui sont des forts sudistes. Donc on va descendre et envoyer diverses troupes. Là, je peux pas les bouger pour l'instant. Ok. Ça bouge beaucoup. Au niveau des côtes, alors, au niveau des objectifs. Alors, ici. Scénario. Alors, la guerre de sécession a commencé en 1861 et va finir en 1865, puisque c'est une simulation historique entre les États-Unis de l'Union et 11 États esclavagiques du Sud qui déclarèrent avoir le droit de faire sécession et formèrent des États confédérés de l'Amérique dirigés par le président Jefferson Davis. L'Union, sous la conduite du président Abraham Lincoln et du Parti républicain, s'opposait à l'extension de l'esclavage dans les territoires des États-Unis et rejetait le droit à la sécession. La guerre débuta le 12 avril 1861 lorsque les forces confédérées attaquèrent les unités fédérales basées à Fort Sumter en Caroline du Sud. Donc on va voir les objectifs un peu plus tard, je les avais déjà dit. Donc tout ça s'est bougé. On va donc lancer l'IA pour générer le tour suivant. C'est vrai qu'on a des ballons. Comme unité à détecter l'ennemi et surtout à faire le fog of war, donc le brouillard de guerre.
nous permet quand même de mieux voir l'ennemi arriver sur nous. Ouais, des batailles qui ont été menées. Ici, Gettysburg. Je suis pas surpris. Voilà, c'est ici, nous avons perdu une bataille contre les États confédérés d'Amérique dans la région de Gettysburg. On n'était pas nombreux non plus, mais on s'est fait avoir. Donc ça va, ils sont pas trop nombreux, donc ça m'intéresse quand même. On va. Là, ils sont en train d'assiéger, donc on va envoyer des forces. J'ai des forces. Des forces, il y en a partout. Alors ici. Ici, j'ai la force de quai que j'ai sans doute envoyée. Et si je l'envoie en train. Bonjour, on gagne le 6 jours. Notre armée, alors mes renforts, j'en ai mis pas mal. Pour l'instant, bon, je ne peux pas les récupérer. D'accord, donc lui, c'est un nouveau général. Ok, alors. Et on a lui, bien entendu. Mais j'aimerais bien joindre des troupes à ce général. Le général, c'est le plus jeune armé, celui-là. Et celui-ci, quel jour? 10 jours. Voici les fortifications qui ont été construites. Divers bateaux. On a des entraîneurs également. Alors ici, 777, ça va être compliqué, hein. Alors pour l'instant, on reste sur la défensive. Ici, lui. Il attaque là. Bon, il n'est pas très nombreux. Si, si, c'est compliqué. Hein. Il y a des troupes qui vont arriver. D'accord. Là aussi, on va laisser faire un peu les textes. Alors ici, on va passer. Alors, quoi ça? Ça me parle moi. Le bateau de transport.
Oba. Je comprends pas, c'est avancé, c'est reculé. Tout ça, c'était bouché. Faut encore avoir des canons, des unités. Mais volontaires. Il y en a déjà pas mal. Mais ça, ce sont tous des unités à l'entraînement que je vais récupérer plus tard. Donc, j'attaque ici. Je vais pouvoir le bloquer. Ça m'intéresse. Ici, je vais attaquer ici. Avec les forces de Mansfield. Le général Mansfield. Lui, il est arrivé là. Il va aller rejoindre l'armée. Ça, c'est des bateaux. Faut pas trop les manger à première vue. Ici. Possibilité de bombarder. Non, je ne peux pas aller plus loin. À première vue. Bon. Lui, je peux le bouger. Et ici, c'est là qu'ils vont mettre. Parce qu'on a 777 en force, j'ai les troupes ici, ici on attaque aussi, il va falloir des renforts. Ici. D'autres volontaires ici. Ici, nous avons des troupes. Oh. Allez, c'est comme ça. Encore attendre. Des volontaires sur l'entraînement. Bon. Pas plus à ce niveau-là, au niveau décision, c'est quoi ça? Pillage. Pillage est intéressant pour récupérer la cohésion, mais ça va nous coûter 5 PV.
Ah non, ça nous fournit 35 000 dollars au prix d'une forte chute. Oui, bon, on peut le faire, ça nous fera gagner un peu d'argent. Ici aussi. Si je peux construire un port. Pourquoi pas. Et voilà pour ce tour. On va lancer l'IA. On va voir si ça va un petit peu plus vite. 3, 6. Normalement, c'est le but, ça. C'est d'améliorer les attentes. Il a secoué. Oh, ça se bat un peu de partout. Alors, tous les combats qu'il y a eu, nous avons ici une bataille avec les États confédérés d'Amérique dans la région de Spotsylvania. Les fêtes fédérales, pas bon ça. Ils sont plus nombreux. Ici. Sur York, nous avons remporté une bataille aux États confédérés d'Amérique, victoire fédérale. Et on a perdu des unités de renfort de volontaires. Ici. Fédéral. Oh, on peut construire des cuirassés. Oh, d'accord. On va voir tout ça dans les messages. Il y a tellement de choses à faire dans ce jeu. C'est pas évident de faire une vidéo sur le jeu. Ici, il va y avoir de... Ça va bouger. Il avance pas, lui. Il a reculé. Oui, il soit défensif, donc il a reculé, il n'a pas réussi, je crois pas. Plutôt qu'il est en train de reculer. Ici, ça bouge beaucoup. Il y aura diverses unités, différentes armées. Là. Je vais regarder avec attention. Donc là, ici, on est contenu. On contient ici. Ici. Oh là là, lui aussi s'est reculé. Je le saurai après dans les textes. Il va falloir. Voilà, je pourrais récupérer des volontaires. Voir ça, tout ça, pour un prochain épisode.